Vas-y. Là, celle-ci, tu vas la faire ultra vite, je suis sûr et tout, blablabla, tu vois, je les bails, moi. Quand même. J'ai mis 15 minutes. 15 minutes, quand même. Ah oui. Il est traumatisé et il cherche un petit gâteau pour se réconforter dans cette expérience difficile. Putain, comment t'as fait ? J'utilise très souvent la même lumière. Putain, comment elle a fait ça ? Ah, je vous assure, là, je suis... Avec ça, bon, déjà je vais me mettre devant la caméra. C'est dans cette direction. Donc t'es pas complètement de côté comme ça, légèrement. Tu te mets sur l'arrière, tu tournes un peu ici, pas trop, ok. Donc là, la pose déjà, soi-disant, je l'ai. Ah mais non, mais je suis con. La lumière, elle arrive de biais. J'ai absolument branché au mauvais endroit cette lumière. 2, 1. C'est un fake. C'est un putain de fake, quoi. Il arrive pas, je suis... Tu peux le faire. Ouais, mais en même temps, t'as la peau blanche. Moi, j'ai la peau mate. Bah déjà, faudrait que t'enlèves le t-shirt pour être cohérent. Ouais. Aïe. Vous savez pas, moi, je suis un génie. Voilà. Tu fais comme ça. T'as l'air très à l'aise comme ça. C'est très naturel comme pose. Attends, plus. Non, bah. C'est pas instinctif, hein. Je sais pas comment tu fais en fait, c'est super dur. Franchement, on n'est pas très loin du résultat. Ouais, dites-moi ce que vous en pensez, parce que là, franchement, j'ai tout donné, regardez. J'ai même mis le micro sur le côté, il y a peut-être eu beaucoup de bruit d'ailleurs. Moi, je félicite l'effort de reproduire la pose et tout. Ouais, mais c'est. Franchement, bravo. Oh damn. Allez. Oh damn. En fait, genre, je vais jamais remettre mon t-shirt. Ton truc là. J'ai une idée. Mais j'ai pas pris les bons vêtements en même temps. C'est une lumière qui est assez dure, donc faut que ça soit très petit. Retardateur. Ah ouais. Ouais. Ouais, mais genre, quand tu fais ta mise en place là, par exemple, en ce moment là, genre, tu tiens la main et... Ouais, j'ai le temps de le poser après. Je peux monter le trépied, mais je pourrais pas monter la lumière indéfiniment. Genre, ça prend tellement de temps. Une séance d'autoportrait, ça met entre 1 et 2 heures en général. Yes! La France est dedans! Je suis à l'envers. Non, je suis à l'endroit. Ça ne ressemble pas du tout à ce que j'attendais. J'ai l'impression d'être sonné. Voilà, ça a coupé mon son. Ça va être génial, ça va être fou. Ouais. Tu vas nous dire ce que t'en as pensé. Retour canapé, hein ? Oui, retour canapé. Alors, qu'as-tu pensé de ta première expérience ? En vrai, c'est super dur. Après, là, il y a un truc qui est différent, je pense, c'est que moi, je dois reproduire une photo. Toi, ouais, je le fais à l'instant et c'est très difficile de devoir reproduire une photo qui n'est pas de nous. C'était plus dans des conditions, quoi. Je voulais que tu t'imprègnes un peu et que tu testes l'exercice de faire un autoportrait. Il y a tellement de choses qui sont difficiles, ne serait-ce que l'effet miroir. Toutes tes perspectives sont inversées, tu vois. Genre, quand tu vas en avant, limite, t'as l'impression d'aller en arrière sur l'écran. Quand tu vas à droite, t'as l'impression d'aller à gauche sur l'écran. J'ai galéré comme... Dès la première photo, j'étais en mode, ok, on va faire grosso modo, parce que là, si je dois me concentrer sur tout, je vais pas réussir. Donc les intensités lumineuses,
J'ai vu le rendu. Alors, j'ai un peu cramé certains... T'as des gros points chauds de lumière. Faut savoir que moi, je fais toujours mes photos en mode un peu bricolage. J'utilise rarement de softbox, de flash ou comme ça. Même quand je vais dans des hôtels, j'utilise des points lumineux qui sont déjà présents dans la pièce, donc souvent des lampes. Quand je veux une ombre très très marquée, je vais utiliser une seule lumière. Quand je veux une ombre beaucoup plus douce, je vais ouvrir les stores, souvent c'est ce que je fais, et je fais rentrer un petit peu de lumière naturelle, et ça vient tamiser le tout. D'accord. Voilà. Ben merci. Du coup, toi, t'en as pensé quoi? Moi, j'ai trouvé ça très drôle. J'ai eu l'impression qu'on parodiait mes photos, clairement. Surtout plutôt au niveau des poses, c'était très rigolo. Bah, en vrai, genre, pour être honnête, j'ai pas voulu parodier. Hein. J'ai voulu vraiment me rapprocher au plus près possible, mais au bout d'un moment, j'étais en mode... Avant de se quitter, t'as amené un cadeau. Ah ouais, bon, okay. Peut-être, là, je pense que je vais faire un slow motion de ça. Au bout de 30 secondes, si tu ne l'as pas trouvé... Je l'ai pas. Tu l'as pas. 4, 3, 2, 1, c'est parti. Okay. 30 secondes. C'est... Je sais pas. Attends, je suis gênée par le cadre. Si tu chauffes ou si tu brûles, c'est la même chose. T'es froid. Moi, tu me crois au chaud. Froid. Froid. Mais je sais pas. Chaud. Ah, c'est ça? Yeah. Ouais. Tu sais ce que c'est? Mais oui, c'est de protection pour le 6300. C'est ça. Oh. Je vous conseille d'inviter Kevin chez vous parce qu'il apporte le petit déjeuner. Il apporte des cadeaux. Il apporte tout. Voilà, donc cette chaîne ne m'aimait pas du tout. Jusqu'à il y a peu, mais ça c'était jusqu'à il y a peu. Et maintenant que le tournage est fini, elle m'aime bien. Est-ce que toi ça t'a plu? Oui, beaucoup. Ok, bon bah voilà, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires pour me donner des idées pour des prochaines vidéos. Puis nous on se donne rendez-vous demain 18h. En attendant, on vous dit... Nana. Qu'est-ce que tu veux? Je t'incruste dans mon plan. Je voulais juste dire que quand la caméra est éteinte, il dit mais des conneries, genre il me faisait des textes à trous et il mettait plein de phrases de... Et il y allait franchement, et là... C'est moi qui fais le montage, Non, tu vas laisser.